Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Je vais vous présenter un petit peu les achats que j'ai pu faire ces 2 derniers mois, vu que je commence un peu à préparer mes vacances. Donc on va pas tarder, on va commencer tout de suite. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter les articles. J'ai acheté 3-4 articles dans la boutique Ange. Donc voilà, j'ai déjà commencé par cette petite pochette que je trouvais super sympa. Déjà au niveau détail, vous avez tout, enfin, elle est très colorée pour cet été, et en fait, vous avez tous ces petits détails, des petits miroirs là. Je sais pas si vous allez voir correctement, vu qu'avec la luminosité, c'est pas trop ça. Donc voilà, je la trouvais super sympa. L'avantage, c'est qu'elle a 2 petites poches. Elle a celle-ci, où vous pouvez limite mettre le téléphone, enfin voilà, 2-3 bricoles. Et ensuite, vous avez vraiment la grande poche où vous mettez le portefeuille qui se ferme. Comme ça, vous n'avez pas peur de perdre quoi que ce soit. Hop, donc je la trouvais super sympa. Camel avec tout plein de couleurs. Je me suis dit, pour l'été, allons-y, ça donne envie de partir. Ensuite, cet article. Alors ça. Ce petit short, pour tout vous dire, je l'ai pris 2 tailles, voire 3, au-dessus de ma taille à moi. En même temps, c'est vraiment un article sur lequel j'ai flashé. Je voulais absolument pas repartir sans, très clairement. Donc voilà, donc je me suis dit, vous avez les 2 petits lacets là qui resserrent au niveau de la taille. Portez un peu large, ça fait quand même super sympa, je l'ai essayé. Et franchement, je voulais absolument pas repartir sans. Je trouve super sympa, donc vous avez les petites poches là sur les côtés. Si j'arrive à la retrouver, voilà. Petite poche là sur les côtés, j'essaierai de vous faire des photos sur un des deux côtés de la vidéo, je sais pas encore lequel, pour vraiment vous montrer un maximum les détails des articles, parce que là sur la vidéo ça va être un peu compliqué. Hop, donc voilà, c'est vraiment le style de couleur que j'ai envie de porter cet été, un peu rosé, un peu rouge rosé comme ça, c'est vraiment le style de couleur que j'aime avoir pour l'été. Vu que j'ai adoré ce style de motif, bah, je me suis pas privée, j'ai pris exactement pareil mais sous forme de débardeur. Et du coup, ce que j'ai vraiment aimé, c'était que vous aviez les petits pompons là. Ça, j'ai surkiffé, très clairement. Et l'avantage, c'est que vous avez aussi du coup les pompons là. Et c'est que selon comment vous avez envie d'avoir le décolleté, vous pouvez régler vos bretelles. C'est vous qui les réglez. Et du coup, je me dis, c'est super sympa avec un petit short en jean. Selon si le short est court, long ou même le look que vous avez envie d'avoir, vous pouvez facilement régler au niveau de vos bretelles. Je trouve ça super sympa. Ensuite, dernier article que j'ai acheté dans cette boutique, c'était une combi short comme ça. Hop, donc là du coup vous avez le petit short avec les petites poches du coup de chaque côté. Et vous avez le haut qui va être comme ça. Et en fait, très clairement, ce qui m'a tout de suite fait aimer cet article, c'était surtout en fait au niveau des détails. Vous avez là, voilà, vous voyez un peu faux cuir comme ça. Vous avez le petit filet du coup sur le dos que je trouve super sympa. Et du coup en fait sur tout le long, vous avez les petits détails comme ça, même du coup là au niveau des poches arrière et des poches avant. Et j'ai trouvé ça super sympa. Et autant du coup l'année dernière j'ai fait la razzia de robe longue parce que j'avais envie d'être habillée en robe longue tout l'été. Autant cette année j'ai envie d'être en short et en combi court tout l'été. Donc voilà, donc on enchaîne après avec les achats que j'ai fait à H&M. Donc j'adore cette boutique H&M parce que du coup on peut avoir pas mal de choses à des prix plutôt raisonnables. Donc j'ai déjà pris, du coup j'avais vraiment envie d'avoir une petite veste en jean plutôt claire et courte du coup sur le dos. Donc voilà, j'ai pris une petite veste comme ça, elle a rien d'extraordinaire, mais j'adore en fait retrousser les manches et c'est vrai que sur le dos elle est quand même plus courte. Du coup j'ai pris une taille en dessous de ma taille habituelle, là-dessus je fais un 38, là j'ai préféré prendre un 36 pour que justement elle soit vraiment plus courte au niveau du dos et que ça fasse vraiment un peu plus cintré. Ensuite j'ai pris petit short à la plage, enfin plutôt sur le bord de mer à la plage, c'est mieux dans ce sens-là. J'aimais bien, puis du coup le gris anthracite, ça c'est plus mon chéri qui voulait du gris anthracite, donc j'ai pris du gris anthracite. On va pas contrarier les hommes, hein, vaut mieux pas. Et du coup, moi de base, j'étais partie plus sur cette couleur un peu orangée, un peu corail, que j'ai vraiment beaucoup aimé pour l'été. Je trouve super mignon. Puis bon, voilà. Enfin, après, ça reste un petit short un peu classique, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Franchement, c'est vraiment des achats très, très banals. Mais je me dis, ça sert toujours dans une valise en plein été, s'il fait un peu chaud. Au moins, un petit débardeur, un petit short. Vous allez faire les courses, vous allez vous balader. Enfin, même faire du shopping en fait, parce que même pendant les vacances en soi on fait aussi du shopping, donc je me dis voilà, ça peut vraiment vraiment être très très sympa. Ensuite, toujours chez H&M, pour 6 €, enfin 5,99 €, petit débardeur blanc, toujours et encore méga classique. Je reste dans mes petites habitudes. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'était un peu ce petit style un peu dentelle sur le décolleté. Donc voilà, donc ça a rien d'extraordinaire. Très clairement. Mais j'avais envie d'avoir des petits débardeurs pour mettre avec mes shorts et même des fois peut-être en dessous de ma combi quand je veux vraiment la porter un peu décolletée pour que voilà, qu'il n'y ait pas de malentendu bien sûr et que monsieur me laisse sortir en combi.
Hop, pareil, le même, avec toujours ces petits motifs de dentelle sur le décolleté, en gris. Du coup, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et vu que c'est vrai que j'aime beaucoup le gris en ce moment, autant j'adore le rose pastel, le rose poudré, le rose gold, tout ça. Autant je voulais absolument un petit short gris pour cet été. Je me dis qu'avec mes petites Stan Smith que j'ai à la Maison Blanche, avec mon petit débardeur gris et ma petite veste en jean, ça peut être super sympa. Un petit look tranquillou pour aller faire les courses pendant les vacances. J'adore, c'est juste super sympa. Ensuite, alors j'essaie de vous faire ça un peu dans l'ordre. Alors ça, je vous cache pas que c'est pas un article que de moi-même j'aurais pris. Mais en fait, mon chéri a tout simplement bien aimé. Donc je me suis dit, on va faire plaisir. Puis ça fait toujours un article de plus à essayer à la maison. Donc on va pas dire non. Donc voilà, donc ça va être un petit short taille haute. De toujours de chez H&M. Et en fait, ce que j'ai bien aimé en soi, c'était un peu les petits boutons dorés comme ça. Je trouve que ça apporte tellement. Bon, par contre, je vous cache pas qu'il faudra bien le repasser parce que ça doit être un peu galère, une matière un peu chiante. Vous avez les poches sur les côtés. Hop là! Les petites poches là. Sur l'arrière, il n'y a rien d'extraordinaire aussi, un peu des fausses poches, juste ici et ici. Mais du coup, c'est un peu un short taille haute. Et je me dis que autant pour l'été, ça peut être sympa, vous savez, en fin de journée, ou même si on va à un resto le soir, quand ça fait un peu frais. Et autant en hiver, avec une petite paire de collants, une petite paire de bottines ou de bottes un peu longues. Un petit pull sympa et je me dis qu'en fait ça passe super bien, donc autant l'été comme l'hiver. Et puis je me dis ça fait toujours un short en plus, puis j'avais pas de short un peu habillé taille haute comme ça. Donc voilà. Et pour presque, je dis bien presque, finir sur H&M parce qu'il y a encore deux trois choses. Un petit débardeur tout classique, noir parce que ça sert toujours et des débardeurs noirs j'en mets souvent. Donc voilà. Un petit débardeur tout classique. Ensuite... Je suis un peu une fan de chaussettes. Dès que je vois des chaussettes avec des petits motifs que j'aime bien, bah je les prends tout de suite en fait. Alors autant je suis pas souvent en chaussons, je me trimballe partout en chaussettes, donc du coup c'est vrai que je les use rapidement. Du coup je me suis dit celles-ci je les aimais bien et pour 5 paires elles étaient à 8 euros, enfin 7,99 les 5 paires. Et du coup c'est un peu ce style de motif, un peu avec les petites fleurs comme ça. Vous avez aussi un peu en... Un peu rien, la couleur de mon short, c'est parfait. Je mets ça avec mon short, ça va être nickel. Je vais pouvoir me balader en chaussettes toute la journée. Hop, vous avez du vert un peu plus pastel, du blanc, du rose un peu poudré. Enfin, voilà, c'est très clairement, vous savez, c'est au niveau des gros bacs là sur les côtés des caisses quand vous attendez. Et ça, je me fais avoir tout le temps, que ce soit à Sephora, à H&M. Dès qu'il y a des petites choses sur les côtés des caisses, vous regardez et du coup, bah, vous prenez parce que bah, très clairement, on est faible. Mais bon, ça fait toujours des petites choses. De toute façon, on a toujours besoin de chaussettes, hein, en soi. C'est pas... Voilà. On en a toujours besoin. Et ensuite, moi, j'ai des gros problèmes avec mes boucles d'oreilles parce que je les use à une rapidité monumentale. Et du coup, bah, je me suis dit, je vais reprendre plusieurs paires. Donc, au début, j'avais déjà pris celles-ci. Donc, des petites paires toutes classiques, plutôt sympas. Et un peu sur différentes couleurs. Et j'aimais bien, du coup, parce que moi, en fait, j'ai deux trous percés sur chaque oreille. Et du coup, bah, des boucles d'oreilles, il m'en faut des tas et des tas parce qu'il faut qu'à chaque fois ça s'accorde bien. Du coup, celle-ci, j'ai vraiment flashé dessus, puis il y en avait d'autres dans d'autres couleurs. Mais je me dis, autant peut-être changer un peu de modèle. Et en fait, quelques jours après, en allant faire les boutiques avec ma petite sœur, elle a clairement flashé sur ces boucles d'oreilles-là. Du coup, vous avez trois paires et ça a été un peu des petits smileys. Alors, je sais pas si vous allez bien les voir. Un peu des petits smileys comme ça. Et je trouve ça super marrant. Et vu qu'elle les aimait bien, bah, je me suis dit, on va les prendre. Hein. On va pas se priver. Et ensuite, dernière paire, du coup, j'ai pris ce style-là. Alors ça, on a toujours besoin que ce soit les petites perles ou même les petits faux diamants là. C'est toujours des boucles d'oreilles dont on a besoin pour accorder un peu avec ceux qu'on a déjà à la maison. Donc voilà, donc sur H&M, ça sera tout. Et on avait fait un petit tour aussi à Cash Cash. Vu que de base, ma soeur cherchait des robes et elle est partie avec tout sauf des robes. On s'est toutes les deux pris avec ma petite sœur ce t-shirt-là. Râleuse et boudeuse. Alors ça, c'est un t-shirt qui peut nous correspondre à toutes les deux. Parce que c'est vrai, j'aime bien râler. Après, je suis une fille, alors on a souvent tendance un peu à râler. Et quand ça, des choses ne nous plaisent pas, à bouder. Mais bouder entre guillemets, on ne fait pas la tête trop longtemps. Et du coup, voilà, je me suis dit, ça nous correspond bien. Puis pour l'été, j'aime bien avec, vous voyez, le petit short gris. J'adore pour l'été les petits t-shirts où vous avez des écritures, des choses qui vous correspondent un peu. Je trouve ça super sympa, super marrant. Et surtout à prendre au second degré. Et je trouve ça, voilà.
Juste super sympa. Une commande sur Boohoo parce que du coup je voulais absolument des combis et j'ai vu que c'était pas trop cher, ça devait être entre 10 ou allez grand max 18 euros, peut-être une vingtaine d'euros. Et j'avais jamais commandé sur ce site-là donc du coup je savais pas trop quoi prendre au niveau de la taille. Et du coup bah, je suis partie enfin sur ma taille classique que je prends dans quasiment toutes les boutiques. Donc voilà, donc du coup j'avais déjà commencé par me prendre une petite casquette noire parce que je trouve que c'est toujours utile. Puis j'avais pas une toute noire, j'avais forcément une noire avec tout plein de strass ou rose un peu saumon avec tout plein de strass. Et pour cet été, je voulais vraiment une casquette noire qui passe partout. Donc voilà, elle a rien d'extraordinaire, elle se règle sur l'arrière. Et par contre, ce que j'ai vraiment aimé, ce qui a fait le détail de pourquoi j'ai pris celle-ci, c'était le petit liseré blanc qui est juste sur le contour. En fait, je la trouve super sympa. Et en fait, autant je trouve qu'elle peut être très très élégante. Alors c'est vrai qu'une casquette, d'habitude, on ne porte pas forcément avec un look très très habillé. Mais celle-ci, je trouve que elle peut se porter même en étant un peu habillée. Ensuite, toujours sur Boohoo, j'ai pris trois combis shorts. Alors on va déjà commencer sur celle-ci. Donc bleu marine avec des petites marinières. Ouais, normalement la marinière est quand même plus grosse, mais bon, avec une marinière un peu blanche. Donc bleu marine et blanc. Donc c'est vraiment épaule dénudée hein. Celle-ci elle sera comme ça et du coup avec les manches longues resserrées un peu du coup au niveau du poignet donc voilà, donc elle a rien d'extraordinaire mais je la trouvais super sympa. Puis vu que j'avais pas de combi short je me suis dit on va se faire un petit peu plaisir quand même. Donc voilà, je la trouvais super marrante, super mignonne puis franchement quand je l'ai essayée bah, on est vachement à l'aise dedans. Donc je me suis dit heureusement qu'en fait j'ai commandé parce que je connaissais pas du tout ce site. Et c'est vrai que j'ai un peu appréhendé. Puis du coup, je voyais ma commande qui était en expédition, qui avait une semaine et demie, voire deux à arriver. Ça me stressait. Parce que je suis un petit peu stressée de la vie quand même. Ensuite, j'ai pris une combi short, toujours et encore, mais blanche. Et du coup, ce qui m'a vraiment aidée à choisir cette combi-là. Alors d'habitude, je prends pas de blanc parce que c'est assez transparent. Mais là, du coup, au niveau du short, vous avez une doublure. Alors ça, par contre, je trouve ça super intelligent parce que c'est vrai que c'est rare qu'on ait des doublures. Et du coup, bon, c'est sûr que si vous mettez des soutiens-gorge fluo en dessous, ça va, enfin, des sous-vêtements fluo, ça va un peu se voir. Autrement, si vous restez sur du blanc ou même du nude, il n'y a pas trop de soucis, quoi. Et du coup, c'était vraiment ce petit détail dentelle-là au niveau du col. Alors moi, par contre, le souci que j'ai, c'est que alors, je dois pas être très très bien formée. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé à la naissance. Mais en fait, quand je la porte, bah, au niveau des bretelles, elles sont beaucoup trop grandes. Du coup, je vais devoir faire des petits nœuds là sur le haut pour vraiment qu'elles soient vraiment ajustées. Parce que sinon, en fait, on voit tout. Clairement, c'est. Enfin. Du coup, vous avez la petite bretelle et vous avez l'épaule dénudée avec la petite manche comme ça. Et du coup, c'est avec ces petits motifs comme ça, dentelle, j'ai trouvé ça super sympa. Je me suis dit, on va pas. Voilà, c'est adorable. Puis bon, c'est mignon. C'est une petite combi blanche pour aller se balader en amoureux. Petite veste en jean, celle d'H&M, un peu de sympa avec. Ensuite, alors celle-ci, c'est pas du tout la forme une forme qui me va de base. Mais pour être tout à fait honnête, c'est plus les motifs. C'est exactement le style de couleur que j'ai envie de porter cet été. Voilà, c'est pas du tout parce qu'elle est vraiment très très courte au niveau des cuisses et moi j'ai vraiment des bonnes cuisses, hein. Donc bon, c'est pas vraiment le style qui me va, mais honnêtement, j'ai adoré ces couleurs, les petites fleurs, palmiers un peu comme ça là. Je vais vous le montrer peut-être. Je sais pas si vous voyez bien. Mais franchement, c'est tout à fait le style de couleur que j'avais envie d'avoir. Et voilà. Donc du coup, en fait, sur le devant, elle est vraiment méga, méga décolletée. Donc c'est ce que je vous disais, limite avec un petit débardeur blanc pour éviter que le chéri fasse une syncope. Ce sera peut-être bien. Et du coup, le dos est aussi très, très décolleté, quoi. Voilà. C'est vraiment. Donc c'est pas forcément le style qui me va, mais j'ai vraiment aimé ce modèle. Donc je me suis dit, on va le prendre. Tu comptes rester comme ça longtemps? Dis bonjour à la caméra, regarde. Non? Alors, on continue du coup. Non! Il fait tomber mon bol Stitch. Super! Et du coup, avec les derniers achats que j'ai pu faire. Donc, ça, c'était à Pinky. Donc, voilà. Donc, c'est un petit bombers. Rose poudré. Avec du coup les petits détails sur la manche noire avec le petit liseré argenté et pareil sur le col. Et en fait je me dis que ça fait un petit côté sportswear tout en étant très habillée. Donc voilà, donc en plus il est super fin, très léger. Donc je me dis un petit bomber c'est un peu léger comme ça peut toujours servir pour l'été. Si on va se balader un peu un soir qui fait peut-être un tout petit peu frais. Du coup pour éviter d'avoir trop trop froid, un petit bomber comme ça. Puis le bomber c'est plutôt encore à la mode en ce moment, donc c'est plutôt cool.
Ensuite, à Jennifer, j'ai craqué pour ce petit top, donc avec les épaules dénudées. Donc vous avez la bretelle, vous avez l'épaule. Et du coup, ce que j'ai bien aimé, c'est que du coup, là, vous avez la manche et qu'en fait, elle est ouverte au niveau du bras. J'ai adoré ce style de petit haut. Et du coup, vous avez un peu les petits détails là, un peu froufrou sur le côté de la manche. J'ai vraiment bien, bien aimé. Ça, du coup, c'était à Jennifer. Ensuite, vous avez à Cabailleux. J'ai acheté du coup ça. C'est une petite chemise sous forme de petite chemise. Là, du coup, il y a avec les petits boutons sur l'avant. Vous avez la petite poche. Et du coup, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, c'est vraiment aussi épaule dénudée. Donc voilà. Donc j'ai vraiment bien, bien aimé ce petit modèle. Donc elle est plutôt longue. Donc avec un petit short ou quelque chose du genre. Ça peut faire vraiment sympa. Hop. Oui. Oh, du coup, je filmais pas. Et enfin, dernier achat que j'ai fait à Camaïeu, c'était ce petit top. Hop, comme ça. Donc du coup, j'ai bien aimé déjà l'avant un peu de dentelle comme ça, et surtout le dos croisé, enfin croisé. Pas vraiment croisé. Mais ce petit haut comme ça, le dos en dentelle, j'ai vraiment adoré. C'était vraiment super sympa. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas, puis c'est toujours un peu sur les tons que j'aime bien, un peu pastel pour cet été. Donc voilà. Alors, pour presque terminer ce haul qui aura duré un petit temps, je pense, j'ai été à Chausséa. En fait, je cherchais des chaussures hautes que je n'ai pas trouvées. Et du coup, je me suis dit, bah, il y avait celle-ci qui était super sympa. Hop, que j'ai adorée. Donc, vous voyez, avec les lacets comme ça. J'ai adoré, un peu beige, un peu, je sais pas si vous allez voir, un peu piton. Enfin, piton. Enfin, vous comprenez quoi. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ce modèle. Et du coup, je me suis dit, pour cet été, ça fait une petite paire de chaussures en plus. Cette petite nouveauté qui est super sympa, beige, qui passe quasiment avec tout. Donc voilà, et j'ai pris aussi ces petites chaussures noires, alors toujours ouvertes. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'était vraiment le détail comme ça. Bon, là, vous allez peut-être pas trop vous rendre compte parce que niveau luminosité, en fait, je suis devant ma fenêtre pour arriver à filmer, pour arriver à voir quelque chose. Mais voilà, mais en fait, j'ai trouvé vraiment super sympa. Donc voilà un peu pour les achats que j'ai pu faire ces 2 derniers mois du coup pour préparer un peu les vacances. Et je voulais vous présenter, vous montrer aussi un petit quelque chose. Du coup c'est ma petite sœur qui me l'a acheté et depuis que je l'ai, bah très clairement je le lâche pas. C'est ça, c'est ce que j'ai fait renverser tout à l'heure. Parce qu'en fait j'ai le don de toujours ouvrir des canettes, des bouteilles sans jamais les finir et du coup après ça part souvent à la poubelle parce que les canettes quand c'est ouvert, bah c'est ouvert. Et du coup, elle m'a commandé ça sur Disney Store, je crois. Donc, c'est Stitch. Et je trouve ça super marin. J'adore. Je suis totalement fan. Et du coup, vous voyez, c'est le couvercle. Donc, vous avez la paille pour boire. Donc, déjà, d'un, vous en mettez pas partout. Hop. Et vous avez du coup, en fait, ces 2 petits gobelets qui sont dedans en plastique. Et du coup, bah, pour avoir fait l'essai tout à l'heure et bah, pour l'avoir fait tomber, ça ne bouge pas. Bon, ça fuit un peu du coup, parce que vous voyez, au niveau de la paille, vous avez un petit écart là. Donc forcément, ça, vous avez un petit peu d'eau qui se barre. Mais vous voyez, je peux tirer la paille, en fait, la paille est bloquée dedans. Donc quoi qu'il arrive, c'est juste super sympa. Et franchement, j'adore. Je suis totalement fan. Franchement. Et vous en avez d'autres modèles sur Disney Store. Et j'ai juste adoré ce petit gadget. Ça sert pas à grand-chose, mais vous voyez, je me dis, même dans la voiture, j'ai soif, bah, je le prends, surtout que moi en plus, je bois beaucoup, beaucoup d'eau. Bah voilà. Je prends mon petit gobelet, je le ferme, je le mets dans la voiture. Déjà, je peux avec les ronds-points, les dos-dânes, les machins. Il n'y a pas de risque que j'ai tout qui se barre dans la bagnole. Donc, c'est juste génial. Donc, voilà. Donc, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous ai un peu montré en globalité ce que j'avais pu acheter ces derniers temps. J'ai acheté aussi un peu de make-up. Donc, ça, je vous ferai une autre vidéo un peu plus tard. Le temps de filmer, de tout préparer. Parce qu'en fait, j'ai un petit appartement. Donc, c'est un peu compliqué pour filmer. Mais voilà, donc du coup j'essaierai de vous mettre les photos sur un des deux côtés pour vraiment vous montrer plus en détail les motifs, les couleurs, etc. Parce qu'avec la luminosité, j'ai peur que ce soit pas super super simple pour vous d'avoir tout vu correctement. Donc voilà, je vous laisserai en barre d'infos les articles, les références, là où je les ai achetés, les prix, etc. Donc voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. À me suivre aussi sur les réseaux sociaux qui vont s'afficher juste après en défilant. Et voilà, donc j'espère que tout ça vous aura plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous.